arrivés, ils sont là et ils font leur entrée à la prison centrale de Makala et le tout est suivi en direct sur la radio-télévision nationale congolaise et qui vous fait vivre comme si vous étiez sur place à Makala en train de suivre ces moments historiques, ces procès sur le présumé détournement des fonds publics alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Eh bien, les juges sont arrivés et vous voyez les véhicules qui stationnent à l'intérieur même de la cour, dans la cour de la prison centrale de Makala, comme pour dire, on passe directement à l'audience. Et l'attente semblait être un peu Brazzaville, porte noire, Lubumbashi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Yokan Tango Malamu, Oyo Pisoto Yelibino, Bana Lelo, Tika Komitu Kisamaka, Soki Kouan Kei, Bona Okene Kotala Match, Paya Bavoise, Topena Bar, Moko Songolo, Yeba Kebanda Lelo, Osamo Bimba, Na Telephone Nayo, Nanzela Yapisa Media TV, Otu Nanganinio. Pisa Media TV, na téléphone na yo, Oza Mobimba, na toutes les chaînes câblées du monde. Na lobi bien, pa chaîne yo soit Mokili, Oyo yo, Olinga Rotala, Oza na yango na chombo na yo, Eza na katia taxi, Eza na katia douche, Eza na makolo, Ata Ozali Kotambola, Okoki na yo Kotala, chaîne yo soit Mokili, Oyo Olingi. Soki Olingi, Otala ma match à Ligue des Champions, Soki Olingi, Omona Messi, Omona Cristiano. Omon Mbappé, Omon Neymar, Soki Olingi, Otala Novelas, Aseri Olinga Mingi, Atape Olingi, Otala Fabi Kardashian, Yebake, Osamo Bimba, Napisa Media, Na Telephone Nayo, Okomi Tungisa Malisusuke, Yako Kimakamba, Kosonga Nokila Ndaku, Otala Ata Information, Na Chombo Nayo, Osana, toutes les chaînes du monde câblé, Na Mbongo Mou, Osamo Bimba, en live, accompagné par les éléments de la police nationale. On n'aime pas les gens comme ça. Toutes les chaînes câblées du monde n'a jamais vu la boye. Nanou qui salate, personne qui salate, salate. Alors bien, Soki Olingi, Otala, toutes les chaînes câblées. Et la maca, la numéro 1, le coup de Otala. Mobima, la ligne à vous salater. Hey yo, Kaniya! Et la ligne zéra pour lui, tout comme ça, pour ton d'un moment, dans mon cas, il y a un zila, vous venez à cambouteillage, la ligne française. Tantôt, moi, tout comme moi, Marie, Moko, Kangamananzila, la base était beaucoup, beaucoup, Zalaga, Capona, Colanda. Nzokande, Maso, Mazé, Kobongi, Samasika, Poete, Makambo Maso, Madanda, Lulenge, Yemei, Mokambi, Ya, Misami, Waza, Kokamba, Bosam, Siboye, Nakombo, Ya, Piero, Pakenge, Nani Pingalaye, parce que Yinge, la Awa, pour te miser à mi bandara. Ma bonne simon, son mazo kotchama. A tout bas, son moto la moto est si kayaye. Ma son mazo kotali sa été. Ya son le kola biso kongo démocratie, n'y en a pas qui bino ou e bandeli. Na ma matali misami a bosembo. Mizeko kende ou boso, pe mizeko tombo ma. Mokolo na mokolo. Sanza na sanza. Mobu na mobu. Ngonga na ngonga, ntango na ntango.
Gonga enene otozia ki biso baso. Gonga mei e bandi kokoka. Katikati ya nzanga nesika biso baso tokolanda lo lenge kani misala ne abosambisi. Bande kwa biso mikoki kosuka lelo. Lelo eza susu teli kambo bayo kamosambeli moko tope mosusu. Ombate eloko wana sielekaki, eteni wana sielekaki. Lelo ezali kaka yemei, zuzi mokambi. Babeti ngonga, bilo koti, azwi mpifo ya ena maboko, abeti na mesa, misala mifungwana. Unabite mbele, motangi matangi, soko na yamba bako benga ye motangi matangi, kasa tikana benga ye grefie, mara mosusu yenda koko zana maloba, ya motangi matangi maemaso mazomi wana, pona kola kisa ndenge nini soko bongisa makilo lenge lona yenda kozwa maloba soko bongisa kilo lenge lona te biso tokolanda ka lolenge bazuzi bazali koluka ko memalika mbona suka basambeli ekolo ya biso Congo Democratique bango bana na bilili yebozali kolanda kuna ongambo susu yalisika ongambo ya Sami Jamal ako sora pena basambeli baye na banzi lolenge misala ya bosembo misala makape mobeko wana peza linge ko vita kamere na basambeli baye bazali wana ndeko Sami Jamal ye azali awa pamba te kompani ye azali moto wa yambo wakati ya kompani Sami bo esperen kona bosali misala mike na likwela lya mosala yeye andimaki erongo moko na ba baninga ba kosala mosala kati ya kompani ya ye pona kotombola misala ya botongi mandako tobengi maison prefabriquée kona boko mapinga to ba pulusu ya RDC République démocratique du Congo. Ezalingala elamu ezalio kati ya linaka ya mokambe kolo. Ezalingala elamu nkumo nene kolo Félix Antoine Tshisekedi Lombo alingi epai wapi bana baye ba République démocratique du Congo tata mokonzo ya kolo. Alingi te mbungwana emonisama Cédric Nina Ngonga ya Eyambate kasi Ngonga misala ya bosambisi lefungwa. La cloche qui sonne déjà pour annoncer l'arrivée du tribunal. Le président est arrivé, Guillaume Bakayé, mais aussi les autres juges du bureau du tribunal qui arrivent, qui sont là avec lui. Et là, c'est déjà le début. Tout le monde attendait ce moment. Et on s'est mis debout pour saluer l'arrivée du tribunal. Et d'un moment à l'autre, ça sera le premier mot du juge président. Et c'est déjà. L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcé. Audience publique en chambre foraine du 20 juin 2020. Siégeant, Bakeng invite président. Kasunga Ngeleka Emukayaka Embe juge. Avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public. Nyamakila Lisette greffière. Affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lwakaniki Nivital, Muyimba Ndole Jano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. Ministère public et parti civil,
la République démocratique du Congo contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Faites acter vos comparutions respectives. Pour la République. Oui, allez-y. Monsieur Jamal a assisté ses avocats, le bâtonnier national, vous, mais l'État, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Bonjour. Avec Maître Landy Lapé, avocat au barreau de Kinshasa Joseph, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Arlette Odiakachama, barreau de Kisangani et de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Christian Biachoma, avocat au barreau du Kulu. Merci. Allez-y. Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Le prévenu Kamere Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil, Maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ainsi que Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie. Même barreau. Saturnin Tamirira, du barreau de Kinshasa Gobe. Monsieur le Président, je suis Gérard Gilles Didot. Bureau de l'Assemblée nationale, honorable député Monsieur le Président, je suis Gérard Gilles Dédonné. Bar Luc, bar 2020, du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. À charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Senon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence
c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence, personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui a été remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge de prévenir Kamer et Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui a été remise à Moui Mandole Janon pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré le transfert de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamer et Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamer et Lokaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sous la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 dollars américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500
et 3000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lwakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engaliema au quartier Bassoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ses sociétés Samibo Espaël et Ousmane Essaël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 à 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres, des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engaliema au quartier Bassoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ses sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois-Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missamoukoko, respectivement avocat au barreau près la Cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils. Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mbune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chicha Bokolombe, Christian Béa, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntamboué, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoï. Le prévenu Kamere Lwakaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et le prévenu Mouimando Lejanon par Maître Kalombo Betu William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances s'est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors,
l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la Cour d'appel, le parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de CA. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 5-4 alinéa 1er de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 dollars américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi, infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il essaie de sursoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui, au regard de l'article 17 de la Constitution, est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il pèse au tribunal des séances de sursoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces dernières sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Caméré a également, au cours de la même audience, soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'examen de l'article 5 du Code pénal livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux, les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne
que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amuna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique susévoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office, à son collègue, qui, par sa requête au fin de fixation d'audience numéro 1648/RMP-1641/PG023-A-LIC-2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal de séance. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet que celle du tribunal de séance. Partant, ces moyens seront rejetés pour non-fondement. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenir contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Aussi a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenir, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent aux prévenus de se défendre, l'exception obscuri libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, du 2 avril 2010, une Odon Sumbu, Cour suprême de justice, héritage de demi-siècle de jurisprudence, édition Les analyses juridiques, Kinshasa 2015, page 327. Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis car elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation à prévenu qu'a reçu le prévenu Sami Jamal qui soulève les moyens sous examen indique bel et bien les lieux, la date et la nature des faits dont il a à répondre, en l'occurrence Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, entre les mois d'août et septembre 2019, en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination, le détournement des deniers publics, et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la susdite citation indique les degrés de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge, en ce qu'elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi,
avec le prévenu Kamere Lokaningini Vital, qu'il est co-auteur. Et d'autre part, le susdit moyen est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020, consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur les faits lui imputés. Pour le tribunal, l'impertinence du présent moyen est univoque. Partant, il le rejettera. En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 162 de la Constitution de la République, le premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017, souligné que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulevée soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le ministère public. Aussi, poursuit-il, lorsque par inadvertance, le justiciable saisit la Cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle l'effet de surséance devant le juge de fond. Bien plus, enchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis. Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l'arrêt qu'a rendu sous R-Cons 310-311-TCR, la Cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, le tribunal fait observer que le prévenu Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital soulève, après s'être défendu au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, sur les incriminations mises à leur charge, à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d'inconstitutionnalité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause. À l'appui de son moyen, le prévenu Kamere produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R-Cons 1248. Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que, d'une part, il n'est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l'air d'un dilatoire, et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond, qui ne peut donc pas sursoir à l'examen de la cause. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. Après son élection à la magistrature suprême, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours. À ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunie fut préconisée. Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du trésor public pour y faire face, des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique, car sur terrain, il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus évoqué. C'est alors qu'au cours du Conseil des ministres tenu au mois de février 2020, le gouvernement de la République instruit les vice-premiers ministres et ministres de la Justice et garde des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation. Par sa lettre numéro 273/CCAB 12/D/CAB/MIN/VEPIM/JGS 2020, du 10 février 2020, ce dernier donna injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete de mener des investigations. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation
de prévenir Sami Jamal, gérant des sociétés Sami Bouess ARL et Osmal SAL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme susventé. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds, ainsi que Mouhi Mandoole Janon, chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export, ayant reçu, sur injonction du prévenu Kamere, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité ces décaissements. Bien plus, l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Sami Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Kamere Lwakaningini Vital qui les aurait allègrement acceptés et d'autre part, le prévenu Sami Jamal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement des clients. Après avoir clôturé ces enquêtes, le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétence en raison des lieux de résidence des prévenus, les dossiers au parquet général de la Gombe, qui, sans désemparer, saisi par la requête sus indiquée, le tribunal de séance, au fin d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chez de condamner les prévenus Sami Jamal et Kamere Lwakaningini Vital in solidum à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 48 831 148 $ américains plus 2 137 500 $ américains et au dommage intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 000 000 $ américains et de condamner in solidum les prévenus Kamere Lwakaningini Vital et Mouhi Mandoole Janon à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 $américains ainsi qu'au dommage intérêt de l'équivalent en francs congolais de 50 000 000 $américains. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lwakaningini Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote, du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lwakaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraît-il quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dire établi à charge de ce dernier et du prévenu Kamere Lwakaningini Vital l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 $américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dire établi en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lwakaningini Vital et Mouhi Mandoole Janon l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dire établi les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 000 000 $américains, et pour la seconde à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 000 000 $américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte.
dit rétablir séparément à charge de Sami Jamal et Kamere et Lokaningini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants, ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Changaloume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après. Le contrat de location 1348/2019 AD44988 commune de Ngaliema au nom de Changaloum et Daniel, le certificat d'enregistrement AKN11-46AD193 commune de Kassavubu au nom de Piana Daïda, le certificat d'enregistrement AGL547-171AD5082 commune de la Gombe au nom de Changaloumé Daniel, le certificat d'enregistrement A-ML01-179-AD1401, commune de Maloukou, au nom de Mayoukou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN45-33AD71-860, commune de Lancelé, au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement A-N45-34AD137-137-110. Commune de Lancelé, au nom de Kamere et Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547-56AD5807, commune de Lingwala, au nom de Changaloum et Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana, AD44196, commune de Ngaliema. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonnées en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Mouhim Ando Lejanon, allouer de dommages intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. Interpeller sur les faits infractionnels leur imputés. Les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis. En effet, le prévenu Sami Jamal a, au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du développement rural pris en la personne du témoin Justin Bitakwira, ministre en charge du dit département à l'époque, un contrat de fourniture de maisons préfabriquées, lequel, en vertu de l'avenant d'avril 2019, a été reconduit par les parties. Aussi poursuit-il. C'est à ce titre qu'il a, au nom de la société Samibo S.A.L., dont il est le gérant, reçu 57 500 000 dollars américains pour fournir et ériger 1 500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Congo central, Kasaï central, Kasaï oriental et Sud Kivu. Ainsi renchérit-il, en exécution du susdit contrat conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi, à Kinshasa, site indiqué par les préposés de la partie civile. Bien plus, fait-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents dans les ports de Dar es Salaam et Lobito. En outre, quelques maisons sont déjà en train d'être érigées dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental. Il conclut que c'est à tort que le ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme susindiquée. Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu en vertu de la commande lui adressée par la présidence de la République dirigée en faveur des militaires et policiers 3 000 maisons, 2 137 500 dollars américains à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de dollars,
Le prévenu Sami Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport. Il fait remarquer que l'acte matériel de détournement exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait. En ce qui concerne la prévention des blanchiments des capitaux, tout en admettant avoir transféré à l'étranger des sommes importantes d'argent, il soutient que celles-ci n'ont pas une origine délictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre des dits marchés. Il infère que c'est à tort que l'organe de la loi le retient sous les liens de cette incrimination et sollicite donc son acquittement. Pour ce qui est de la prévention des corruptions, le prévenu Sami Jamal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant non pas le prévenu Kamere ni sa belle-fille, le témoin Soraya Mpiana, qu'il n'a du reste jamais connu, mais plutôt le témoin Daniel Shangalou Mekingi, alias Massaro, ami de ses enfants, ce pour de nombreux marchés qu'il lui a procurés. Il fait observer que lors de la première transaction, en date du 23 janvier 2019, le prévenu Kamere n'était pas encore nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019, alors qu'il était déjà attributaire du marché des 1500 maisons préfabriquées. Il invite alors le tribunal à constater qu'une entente préalable n'a jamais eu entre lui et le prévenu Kamere et que par conséquent, l'infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge. Pour sa part, le prévenu Kamere a également, au cours des mêmes audiences publiques susévoquées, clamé son innocence. En effet, relativement au fait de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi en vertu de ses prérogatives de directeur de cabinet du chef de l'État et l'un des superviseurs du programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l'issue de son investiture à la magistrature suprême. Ainsi poursuit-il, c'est uniquement pour faire face à l'urgence de la situation qui devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du susdit programme. Aussi fait-il remarquer que d'une part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées dans le cadre du volet habitat du programme d'urgence susévoqué n'est que la continuité de celui qui, en avril 2018, a été conclu par le ministre du Développement Rural de l'époque, M. Justin Bitakwira, dans la mesure où l'avenant au dit contrat a bel et bien été signé par les parties contractantes. En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faites à la société Ousmane SARL, dont le prévenu Sami Jamal est gérant, destinée aux militaires et policiers, étant dicté par le président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Kanchachi par le même Jamal, gérant de la société Samibo SARL, qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité. En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction générale de contrôle des marchés publics, par l'émission de son avis de non-objection y afférent, il était de son devoir de demander au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Congo, de prendre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui, donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu Sami Jamal. Bien plus, il soutient n'avoir bénéficié d'aucune somme d'argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l'organe de la loi au défi d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Mouimando Lejano, chef de division en charge d'import-export à la présidence de la République, la mission de dédouaner les conteneurs se trouvant au port de Dar es Salaam, il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1 154 800 $ américains, lui a été directement remise
par le comptable public et qu'il n'existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme. Il conclut à son acquittement pour fait non établi. Concernant les faits de corruption, il relève n'avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu Sami Jamal à sa belle-fille Soraya Mpiana et fait observer que lorsqu'il l'a su, instruction fut donnée pour que le titre y afférent soit annulé. Aussi, souligne-t-il n'avoir jamais rencontré le prévenu Sami Jamal, ni à son lieu de travail, ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire. Il conclut à l'absence d'éléments constitutifs de cette infraction, tout en soutenant que les marchés attribués à Jamal l'ont été de manière régulière et que donc il ne peut être retenu sous les liens de la susdite incrimination. Le prévenu Mouimando Lejano, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la présidente de la République aux opérations tendant à obtenir l'acheminement de 167 conteneurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dar es Salaam jusqu'à Mouenéditou. Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mouenéditou, et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi, tandis que 75 sont encore à Dar es Salaam en attendant le deuxième décaissement des fonds. Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées ainsi que l'ordre d'émission signé par le prévenu Kamere qui avait instruit le comptable public de la présidente de la République de lui remettre les fonds en question, soit 1 154 800 $ américains. Partant, infère-t-il à ce qu'il plaise au tribunal des séances de l'acquitter. Position du tribunal. A. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 48 831 148 $ américains à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En droit. L'article 145 du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineur obsit. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271,
du 27 juin 1979 in Odonsumbu, obsite page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samibo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur de coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokaningini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dix biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question des deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise est liée à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 500 000 dollars américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique en dehors de celle relative aux rémunérations ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dix biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie ne fait l'ombre d'un moindre doute dans le cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, entendons par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, obsite page 310 à 311. Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions des témoins Henri Avoulang et de Grace Mutombo, précédemment identifiés, que le trésor public a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la société Samibo Israël pour la fourniture de 1 500 maisons préfabriquées,
seule la somme de 8 668 852 000 $ américains qui a été effectivement transférée du compte de la susdite société logée à la Robank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 $ américains, ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits de fonds ont été opérés sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint $35 millions, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qu'est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, obsite, page 322. Aussi, a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, in odon sumbu opsit. Il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base des présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire. Cour suprême de justice, RPA 26, du 4 mai 1974, Inodon Sumbu, opsite, page 76. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 831 148 $ américains sur les 57 500 000 $ reçus, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à $35 millions ont été en possession précaire, en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Il a également été jugé. Ah non, ça c'est déjà pris, non? Non, le cas sous examen. C'est déjà dit. Oui, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à $35 millions ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ses fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere Lokaningini Vital, qui, en vertu de ses charges, directeur des cabinets du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, et seul, en vertu du communiqué officiel
du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant le marché de fourniture des maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement Rural, pris à la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la susdite société. À cet effet, le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il n'obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit, contrairement aux allégations du prévenu Kamere, qui s'y accroche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des séances qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans les programmes d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakwira, ministre du Développement Rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à deux réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de desserte agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Koshi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Pour leur part, les témoins de Gracias Mutom, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Henri Yavmoulang, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informés qu'ils étaient membres d'une structure dénommée Supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Samibo. En outre, des dépositions de témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessiz et Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence susvanté, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection des maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Bani Wessiz et Jacques, originaire du territoire de Walungu et membre du parti politique INC comme le prévenu, ont reçu de manière informelle, c'est-à-dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yav Moulang a, au cours de sa déposition soutenue, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance, lui enjoignant de payer en procédure d'urgence
lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves d'échange, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'y pu être commise. Ainsi, il est de jurisprudence que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'y pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice, RP 20, bar CR, du 15 août 1979, in Odonsundu, obsit, page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base des machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie de fonds d'argent dont il tire profit, tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente. Plutôt. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice, RPA 94, du 31 août 1984, Odon Sumbu plutôt, obsit. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur. Awa Makambo Eza Yakobeba, c'est-à-dire. Ndenge juge a tanga makambo oyo, c'est-à-dire que juge bazo ko confirmer Kamere soka biki soki Saint-Esprit fo kita. Il prononcera les peines accessoires ci-après à charge de Sami Jamal. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere et Lokaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier et de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressé par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure urgente 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmane. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrelative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, le témoin Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'au Kanchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal
n'a jamais été satisfait. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Salumu, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection, pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Samibo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmane. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lolkaningini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere et Lokaningini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 dollars américains à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Imoui Mando Lejano. De l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause, il ressort que sur l'instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 dollars américains au prévenu Moui Mando Lejano, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriquées. Cependant, le tribunal note que, d'une part, le contrat de fourniture des susites maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat de Raville 2018 n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Salumu, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel, que ce dernier a ordonné le décaissement de ses fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Moui Mandole Jeannot a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Mouima donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées. De tout ce qui précède, qui vient d'être dit, et au regard des éléments du droit, des éléments de droit plutôt précédemment développés, le tribunal de séance constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mando Lejano et les condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. D. Du blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2
que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des fonds, titres ou valeurs, pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement, la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dix biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds. Il se dégage de ce qui précède que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation dans le même caméra suit 10 ans l'existence de prison, le blanchiment, les travaux forcés. La réalisation et puis à coquiller sous ce qu'on a la candidate sera 6 et 10 ans à prison pour 5 ans. Voilà la décision où tu peux y aller pour la Cambodge et la Caméra. La Kinshasa, qu'on a le jugement d'un des Okoleka. Caméra a aussi besoin 10 ans de prison et à travaux forcés. Tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l'origine des biens, fonds ou revenus. C'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens, fonds ou revenus. Élément moral, c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés. Dans le cas d'espèce, le prévenu Sami Jamal, qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Rawbank, la somme de 57 500 000 $ américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de $ qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 $ sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés par des voies non officielles au Liban ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendu dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, les prévenus connaissaient bien l'origine illicite des 10 fonds qu'ils voulaient dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établie en fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. E. De la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien à une valeur pécuniaire.
nous pouvons retenir que l'État est une forme d'organisation politique. Somme d'argent, tout bien a une valeur pécuniaire ou tout autre avantage. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation du marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1900. 73, au don sous Kumbu Opsit par et mesurant 50 sur 100 mètres à Mademoiselle Soraya Mpiana, belle fille du prévenu Kamere. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session. Cependant, le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaï, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres sur la baie d'Engalema ayant une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représentée devant le conservateur des titres immobiliers par Massaro. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que Mademoiselle Soraya ignorait toutes ses opérations. Cependant, le témoin Kilanga Langa, conservateur des titres immobiliers d'Engalema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des parties,
Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, il a donc représenté Soraya Piana. Il a en outre dit avoir remis le titre de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Soraya Piana à Daniel Kanyemecha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ce dernier qui l'a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Piana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées, dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établi en fait comme en droit, les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lwakaningin, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements juridiques exposés si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalou Mekingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemecha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ses offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre premier dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbe toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP23/CR du 26 janvier 1981 in Odonsumbu, opsite page 23. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, car liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre premier, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quels que soient les propriétaires, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger
parce qu'il existerait des circonstances atténuantes et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, obsite, pages 32 et 53. Dans le cas sous examen, les tribunaux relèvent que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Mouhim Ando Lejanon risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages intérêts qu'il fixera en toute équité à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicité est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que d'ordre public et entraîne cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er en sait que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360-361 du 29 juillet 1980 in Odonsumbu, obsite page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers ou chacun. Par ce par Joseph Lutumba, cet hymne a été l'article 37 et 38 alinéa 9.2 vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit, mais dit non fondé, la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars
américain à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnée et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit, à charge de prévenus Kamere Lokaningini Vital et Muhima Ndole Janon, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit, les deux préventions de blanchiment des capitaux charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit, l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit, la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangalou Mekingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44988 commis d'Engaliema au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commis de Kassavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082
commune de la Gombe au nom de Changaloumé Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML01 folio 179 AD commune de Maloukou au nom de Mayoutou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN45 folio 33 AD71860 commune de Lancelé au nom de Amida Chature Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL547 folio 56 AD5807 commune de Lingwala au nom de Changaloumé Kingi Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sourayan Piana, AD44196, commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Janon. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent franc congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Samy. Reçoit mais dit non fonder la demande réconventionnelle du prévenu Samy Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. Voilà, bon, 20 ans de travaux forcés pour la caméra, na Jamal, 10 ans y a inéligibilité pour la caméra. Ndenge bozo komona wana makambo esili. Donc voilà Congo, quel que soit exactement moi moi distraction, mais du moins komona que justice na biso ya mboka ezo sala boye, c'est quelque chose de bien. Et nous ne sommes pas contre Kamere, mais ce qui est vrai est que comme Ninto Lobara toujours, la justice élève une nation. Donc vous venez de voir tout de suite là, si en direct sur Bissa Media, vous avez la possibilité de recevoir ma chaîne Nabisso. Donc tout ça en direct de Kinshasa, surtout vous allez avoir la carte Irlande et la Dublin. Tout ça retransmettre Bino et loco Oyo et Outiko Lekalelo en direct de Kinshasa. 20 ans de travaux forcés, 20 ans de travaux forcés pour la Kamere Roa Kaningini. 20 ans de travaux forcés pour la Jamal, 10 ans il y a inéligibilité de vouloir en français pour la Kamere, c'est-à-dire Kamere pour apposer candidature na une élection présidentielle, il faut azela 2050. C'est-à-dire Betty Kamere dernière de Kibota ya munene. Oyo bozana idete. Ça dit Kamere ndenga zawana azui marteau 20 ans ya travaux forcés 10 ans ndenga zawana akoko ko voter te bakoko voter te ce qui est masolo ezangi. Kozongi sambongo nyoso tuo bayibi na Congo et puis banda ko basomba ki ezalo masaro asomba ki eza o na kombo ya Amida o eza ki na kombo ya Daida Piana o eza ki na kombo ya Soraya Piana ba biloko ala nyoso tu ba botoli yango leta kangi yango mbongo nyoso tu eza ki na kote ya Amida ba kangi yango mbongo nyoso tu eza ki na kote ya Kamere eza ba famille na ye. L'État a kangi yango. Alors, quelque part, nous ne savons pas vraiment est-ce que Isali Félix Moutakoué ici, Kamere, je ne pense pas.
Je pense que ce qui est vrai est que Kamere et Aïba qui a solo, nous savons tous qu'Aïba qui a solo, et que Congolais Aïba a un Kambo, a un fait bon. En tout cas, même si nous avons des politiciens médiocres, mais au moins, je pense qu'il faut te respecter, ma juge Nabisso, te respecter, justice Nabisso, te féliciter, courage, et juge Oyo, Aoutiko, Kopesa, qu'on prononcer ma verdict Oyo, ma Kambo, à Lelo, parce qu'il y a Zana qui menacé. Toujours une information à ma casse, c'est qu'il y a qui menacé pour acquitter Kamere ou soit à journée décision à Lilo, base la nano, batika Kamere dans cachot pour 2 mois en attendant ma Kamere se calmer, ma pèse à liberté provisoire. Le juge a dit, na combo ya juge a outé ko koufa ou ba outé ko assassiné à lobby. A koki kot ndima yangote ye a ko prononce verdict lelo. Ça dit Jijuana telemi, boye bosambe la pona Jijuana, azali moto ba menace ye ke soki a condamné Kamere ba ko bomaye. Ba ko bomaye, mais Jija lobi malamo a koufa pona sembo pona vérité. Jijuana a telemi na position pona ekolo. Juge Oyo na bande koyo so basambisi na greffier wana ya mwasi Lisette Sokunani ezali bato Oyo bazali ba héros pour na ngai na Congo na mboka ko ya Congo bato wala bazali ba héros même ceux qui ezali procès ya mascarade tout ça parce que mbongo ba yibi na Congo ezali belé mbongo ba muima ba yibi na Congo ezali belé mbongo Oyo ba kabila ba yibi na Congo ba ezali belé na ba kabila na bato wala nyoso un jour ba kosamba. Boye ba ke peuple congolais ba juge na biso ya Congo ba congolais o bazana responsabilité na mboka bazali na motema ya mosa ko sa na bango ndenge elongo bani ba autorité nde ba bebisa na bango ba autorité za batoyo ba pesa ba injonction oza président oza ministre oza sénateur ba kangi moto ke o libéré tozo komona na Congo sikoyo ke sans blague. Selon la volonté de Dieu, d'un côté, on a fait féliciter le président Félix qui ne s'est pas immiscé dans Katia Makambo Oyo. Le président Félix a continué dans Makambo Oyo. Il pouvait bien appeler le juge et dire écoute, juge, arrêtez, il faut sursoir de ce Oyo. Déjà, le président Félix a tabo l'ingaka été, a tabo l'ingaka qui est à Zorobate la Kabila. A l'oba qui déjà des bandits qui sont pas si les alliés parce que. Bazali ko menacé ba juge ba sa misa na bango te azo ko kamwa. Le président Félix l'avait dit. Aza parfaite to lo bingande na zabo. Président Félix ta bazo kanga na Kabila azo mo la raque azo décevoir ngai. Mais na o outi ko le kalelo président Félix est atiki justice c'est ça mo sa na ngo. Na o outi ko le kalelo to ko lo bate te Kabila mo takangisi bango te. Kamere ayiba ki mo solo mo l'état admisi mbongo na kresi à l'état. Tant qu'on va transférer Mbongo Oyo outi na kresa l'état et qui na maboko na koti ya Jamal bande ko langai na tongo na yango Jamal ka Jamal akende na banque abimisi au moins 35 millions de dollars en cash ne Mbongo wala bakabolaki na ba Masavo bakabolaki na ba Kamere ne bomonaki bango ba yimi Mbongo wala. Donc, Kamere a outi kozwa 20 ans y a travaux forcés. Et puis, sur si, si Bolo konaye, a koki ko vote te, a koki ko pose sa candidature na ete 10 ans après. C'est-à-dire que ce qui Kamere a linga pe sa candidature na ye, a ko pe sa candidature na ye na 2050. A ko zonga na 2050. Na mo yende kolanga Freddy Maloba azali en direct, ya se a zongi déjà. Freddy, si Dieu zoro bonga ma ya TV na ya radio. Oyo zo makambo na yo o sala parce que eza métier na yo oyibi ko sala ngo malamu biso tozo ko meka kaka. Alors nous étions en direct de Kinshasa na procès ya Vital Kamere na Jamal et procès yango euti ko leka ba euti ko pesa deko na biso a Kamere 20 ans de travaux forcés. Sora si Bolongo na ya 20 ans a koki ko poser candidature na été 10 ans. A koki ko vote te 10 ans, c'est-à-dire pour Kamere a voté. Ou voté Kamere président en 2023. Ba rêve wana ezali ya kolala, c'est-à-dire Kamere a longwe. Kamere na course à la présidence a longwe.
Yawana Robi était un politicien médiocre, il faut pas le roi. Justice, il faut qu'il y ait un souka. Justice, il faut qu'il y ait un caméra. Justice, il faut qu'il y ait un souka. Et qu'il y ait un souka. Il y a 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 un souka. Congolais à Brazzaville. Nous sommes un pays riche. Et puis, nous avons un souka. Nous avons un souka. Nous avons un Libanais. Pour que nous sommes un souka. Pour que nous sommes un Congolais. Mais vous êtes un pays de malades. Vous êtes des gens oh, qui sont ingambis sans qui m'ont causé. Donc, bête, et bien, sas. Non, ça, ça coûte une autre. Bon, l'état paie ma magie, ok, n'était dans ma camabo. Bon, bête, et bien, on va sas, dans le stade. Ma tandi, bino, ma nieti, bino, mouma, dans le stade. Donc, vous étiez en direct, tout à l'heure, relais, dans RTNC à partir de Kinshasa. Et puis, ils ont été facilités par Bissa Media. Bissa Media, vous voyez, ils ont entreprise dans bino. Oyo tozali ko sala ete to meka ko zongisela biso bana ya Congo nyonso tu ba meka kozala na makambo oyo ezoleka na Congo et puis okoki kozwa ba chaîne na biso a partir a portable na yo soko télécharger kaka application na biso Bissa Media directement aux ala téléphone Android otindelinga message na otindela yo mot de passe na otindela yo code et puis Boko meka kokota directement na pour mozo ma chaîne yo sur Kinshasa tout ça. Tout ça de konabi so Freddy Maloba. Freddy oko benga ngai na WhatsApp comme ça na koti sa yo parce que ndenge za boy. Na numéro za na moi lobe soit na Messenger. So benga siko attendre me ko benga. Yo attends, je vais essayer de t'appeler directement avec le téléphone du bureau. Un instant Freddy. Tome kakota la sona koko zwa yo. Tome kakota sa Freddy Maloba. Na makambo oyo. Ape sa biso. Bega onini. Impression na ye. Na jivon yotu ko luka. Tome kako luka Freddy Maloba. Rapidement. Azali na Kinshasa wana. Tome kaso. Ebite soki to koko yo ka Freddy Maloba. Meto luka. To zwa ye Freddy Maloba. Na me kako zwa ye. Directement partur ya telefon na ye. Na ta la sona koko zwa ndeko Freddy Maloba. Toko tisaye. Voilà. Donc, wana boza en direct. Ya Kinshasa. Vital Kamere. A outi kozoa 20 ans. Ya travaux forcés. Na meka kozoa. Ndeko Freddy Maloba. To meka koko tisaye. Asengi. A intervenir. Kamere. A outi kozoa 20 ans. Ya travaux forcés. Na mboka oyo. To outi kozoa awa. Na République démocratique du Congo. Na meka kozoa. Ndeko Freddy Maloba. So na kwe kozoa ye. Mwa mbango. Atana WhatsApp. A Kota, Nazoye, Freddy, Kinshasa, Maloba, c'est un gars, Oyo, Aza journaliste, Mnen, c'est un basouni qui va se situer Fandi, donc Zoye, Awa, oui, bonjour Freddy Maloba, Oza en ligne, en direct. Kamere, a outi qu'on 20 ans, il y a travaux français, impressionnant. Merci beaucoup, Bissa. Nandé, Yoti, qu'on peut s'en opportunité, n'allez qu'en en direct sur. Plateforme Oyamunene, Oyamunene, d'ailleurs, d'abord auditeur, nous surtout, d'abord téléspectateur, Obazo Landabiso, va s'abonner, Makasi, va kende, na site, na yo, à www.bissamedia.com, je crois que c'est ça, va voilà. Télécharger, ouais, ma chaîne Ophélé, ma chaîne Yakinshasa, nous surtout. Alors, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont dans la diaspora, va les caca, va t'en avoir ma chaîne, va RTNC, ma chaîne est belé, belé, belé. Alors, coup de chapeau à toi, mon frère. Vous avez bien été où je vous sens avec la diaspora et à la page. C'est-à-dire tout ce qui se passe à Kinshasa, Moutouro, à les États-Unis, à l'Afrique du Sud, partout dans le monde entier, à Kolanda, en direct à travers website Nayo. Oyo, tu te rappelles, sous la souk, après qu'il y a ça dans le commentaire, il y a verdict, il y a Bajus, il y a cour, Oyo, tu recadres. Vous savez, Bissa, ce pays a beaucoup souffert. La RDC a beaucoup souffert. 60 ans après, puisque dans moins de 10 jours, dans moins de quelques jours, à Ouattara, célébrer 60 ans, il y a l'indépendance, il y a Burkina Faso. Vous savez que c'est pour la première fois, tout le monde a un directeur de cabinet, Banda Tobandaki Kasavubu, Lumumba, Dantoba, Kasavubu, président Mobutu, Moussa Laurent, Joseph Kabila, les autres commis la Fatih Béton, pour la première fois, tout le monde a un directeur de cabinet qui va faire 20 ans en prison. Les travaux forcés, hein, ça, il ne faut pas que Bandé, on a besoin de ça. Les travaux forcés sont que peut-être qu'il peut commencer à se réveiller le matin, il balaye,
Donc, en tout cas, nous voulons assez que. Oui, allons, de la mission Freddy Maloba, toujours la campagne. La champagne. Voilà. Bon, comment là... la champagne. Voilà. Ce n'est pas que je suis, ce n'est pas que je suis contre Kamere, mais je pense que Moutoumio Soto Koyo, Azoliba Mbongo, l'État a mérité ce que Kamere a subi. A mérité en haut. Et voilà, on a dit, pour tout compter, hein, les locaux, surtout notamment dans l'école primaire, on dit, il faut qu'on aille au compter, on est sur 1, 2, 3, 4. Mais à vous, ça, et l'eau, on est les amis. Bah, toi, vous, ça, à 0. Nous, on a pour tout aller au compter, ils auront 0, 1, 2, 3, 4, 4. Alors, toi, il y a 0, les locaux, on a 1. Et je suis persuadé que 2 est Gozala, 3 est Gozala, 4 est Gozala, c'est une leçon. On a bah, politicien à Bissot, ne le va comprendre que non, il n'y a plus de. On a la Zaboui, on a la Zaboui, nous pas qu'on a un athée, non. C'est quoi le Tokomina 1 soit au comité rose à la numéro 2, soit au comité rose à la numéro 3. Et je crois que c'est une leçon pour tous les politiciens. Je ne suis pas contre Kamere, mais je suis contre les faits de Kamere, le fait de prendre l'argent public, de les utiliser, de faire des fêtes avec. Et voilà une preuve, les lots où nous avons. Je crois que lui-même n'était pas surpris. Ouais. Je me suis persuadé qu'à chaque fois qu'on s'en a pourquoi on va vendre Natalia, ici on a trébuché. Ici, là, donc, il y a eu trop de contradictions et voilà la preuve en est que les lots a purisé 20 ans naïfs. Dans moi 10 ans naïfs, on a installé moi 50 ans, on a repé ma penda à Pémi. Je m'imagine que en 2050, même au Loba. Il ne sera plus en forme pour postuler peut-être là. Ou s'il peut être en forme. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que c'est une leçon pour nos politiciens. Et puis, au lieu de procès où il y a 100 jours, il n'y a pas que lui qui est condamné. Déjà, il y a eu ma condamnation avant lui. Hein. Voilà. Il y a Mouton, il y a eu au moins, je crois, deux ou trois condamnations, puis, cinq jours avant Lilo. Pour moi, je ne suis pas. Que les gens n'interprètent pas très mal ce qu'ils sont en train de dire, soit disant que je suis contre lui. Non. D'ailleurs, j'ai été membre de l'UNC. Donc j'étais membre de l'UNC, nous avons implanté avec Patrick Kawara l'UNC ici en Irlande. Ouais. Tu vois? Et puis du coup, moi je me suis dit non. Modèle où le président Imsara qui nombre à Tokine Namoboye, la mona il en a ma conviction, la soukola il m'a beaucoup en bonne et difforme, j'ai démissionné de l'UNC, je ne fais plus partie de l'UNC. Aujourd'hui, la preuve en est que la tête, si la tête n'est pas bonne. Même les membres du corps ne vont même pas bien fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, la tête va faire 30 ans en prison. Vous allez voir la suite de l'UNC. Vous allez comprendre que la plupart des partis politiques sont liés par... Si ce ne sont pas des partis politiques tribaux, c'est par des commerces, c'est par du business, tu vois, c'est par le même langage. Et ça, nous devons, nous, Congolais, à ce niveau déjà, détester... Ma pratique ouana. Il y a que non, il faut raconter la partie politique telle, puisque celui-là il est de ma tribu. Non. Il faut qu'on compte la partie politique, dans ma conviction. Voilà. Et qu'on t'a rappelé, ouais, qu'on t'a rappelé leader Nabi Sozotamola, Nengue Nini. Voilà, on a toujours qui le Nabiso Freddy Maloba, en direct d'Irlande. C'est un journaliste que j'adore, Alinaïbi est très bien. Depuis des années, c'est un gars très éloquent et puis très intelligent. C'est un basungi qui est sujet dans le Sicile. Donc, c'est un Freddy, Ayako Jiré, Ango, Asa Moussa, Naye, et puis à former la jeune. Freddy, merci beaucoup. Merci infiniment, Bissa. Merci. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, je viens de t'écrire. D'ailleurs, je suis prêt à travailler avec toi à 100%. J'ai pas de problème. Je suis là pour prêter aux mains fortes pour nous qu'on habite à Dublin, à Irlande et Kennedy Bosso. C'est pour que tout le monde soit à l'informer. Puisque vous savez, étant journaliste, c'est d'abord chercher l'information, le traiter et l'informer les gens. D'accord. C'est ça, un journaliste. Ouais. Ouais. Merci, bon week-end à toi Freddy, non, bien, aussi, de toutes les façons, tous sur la Barcelone, merci. Voilà, on est avec Freddy Maloba, un journaliste qui a dû être courageux, à où tu peux intervenir. Voilà. Kamere, à où tu peux voir 20 ans de travaux forcés. A eu 22 moitiés. En tout cas, bon, à la Bisso, à ta bataille, le week-end Bisso, ils ont la distraction, tout ça. Quelqu'un comme Kamere en prison,
condamné par les juges congolais, Yabana Mboka, moi ça me va. Le voleur, il y a impulsion, et puis ça va juger l'union sur le Congo. Il y a une force, il y a une Mboka, Oyo, ils Mboka la Bango. Ils ne doivent plus laisser les gens qui viennent. Comment Moto Moko a 57 millions? Et puis, jugement, il y a un frère de Maloba, il y a un caméra. Beaucoup de gens qui ont volé, bazali impliqué, bazali condamné. Donc, toko 5 ans, la juge Nabiso, bazala, to sécuriser Bango, le peuple congolais, sécuriser la juge Nabiso. Et que Batonyo soto ba yibi mbongo, oza anani, oza anani. Ata président Félix a yibi mbongo, ba kangaye. Ce qui s'avère que a yibi mbongo, yemo ka loba ki ango ba kangaye. Parce que mboka wana, il faut au moins bana ya Congo, ba meka kozala. Na ko vivre, to vivre, moto na moto a vivre, na moto kinaye. C'est pas qu'on est contre Kamere. Kamere, c'est d'ailleurs, c'est quelqu'un de très intelligent. Si Kamere était acquitté, moi j'avais dit que ce Kamere a acquitté, nga non contre la INC. J'avais dit ça, j'avais dit que ces caméras ont quitté Nabissa dans le compte de l'IEC. Donc, Mboka Nabisso, les gens sont en train de souffrir. Ils sont à la poto, Mboka Nzatek, ils sont à la poto, tous les gens contribuent parce qu'on est en train de souffrir. Ici, la poto, c'est pas comme la Nakina. La poto, l'étape était donnée à manger, l'étape était donnée une maison, les soins médicaux. Si tu as tes papiers, tu as tes conditions, tu peux avoir tout ce que, au cours de la langue, besoin, moi, minimum, il y a vieux cause à la langue. Mais quand nous combattons la bande de Konabiso Bazakuna dans le Congo. Bande de Konabiso Bazakuna dans le Congo, nous avons souffert d'un niveau encore impossible. Nous avons l'argent, nous avons l'ordre, surtout, mais nous avons les politiciens irresponsables, locaux là-bas, José Makila, il faut qu'on t'aille Boloko. Nous avons les politiciens congolais irresponsables, locaux là, Kabila Kanambe, il faut pas kangaye, Jeannette, il faut pas kangaye. Batoana, Baza Batoba Yi, Moutou, bon, au moniteur, mais tout ce qui a fait qu'on ait le sentiment. Tout ce qui est dans la vérité, il y a Makambo Oyo et Zoro Lekala Congo. Juge, justice et ça à Moussa. Justice et ça à Moussa. Félicitations à la Bala Congo, surtout vous avez qui connecté. Félicitations à la juge congolais. A outil qu'on soit pression, mon co grave, les lobes, mon juge avec Narita. Ma MCI, ceux qui moyens Ali a repoussé jugement, ceux qui moyens Ali a quitté Kamere. Bon, à Zuba influence dans ma menace à l'objet, l'icolo y a juge ou y a outé koukoufa, yé a koki a ta mokete kosfa de sa justice. À l'objet, malam ou y a koufa, que a trahi Congo. Nous avons besoin de gens comme ça. Et un homme comme ça, comme ce juge là, si s'élève aujourd'hui, à l'objet, que y a la candidat, y a mbok à la biso. A comme président de la République démocratique du Congo, de soutenir. Parce que vous devez savoir que la justice élève une nation. Nous avons besoin de gens dans la tête de Mboka. Bazala dans ma canisure, quoi, juge Oyo. En tout cas, ça, le jugement de la caméra. Bazala, après, la courage, Juana. Il y a quoi, il y a la caméra, il y a la motomakasi, il y a la puissance, il y a la menace, il y a la juge, il y a la bête qui est libérée la moto, il y a la bête qui est bête, il y a la bête qui est. Pour le jugement à la caméra, ma menace est pour le jugement à la caméra, à l'obinga et juge n'a qu'au kata ma cambo n'a boussolo. Juge oyo a kati ma cambo oyo n'a boussolo. A tigal ko kata ma cambo oyo te ou parce que na lingi Félix était ou na lingi caméra était. A kati ma cambo oyo n'a boussolo selon mi be koli konzi yambo kanabiso. L'objet est que le cour constitutionnel, mais quand le Seng a été greffé à Tim de la Bango, ce qui est dossier, il y a Kamere. Greffé à Vinga, ma campagne ne se parle pas, c'est le qui n'est pas un juge. Félicitations à juge Oyo, à Outiko Sara, ma campagne Oyo, les longues, nous avons somba, nous avons voté, nous avons mêlé ma sanga pour vous dire que je suis content, pas que le Congo est bongi, mais je suis content au moins. Que les juges qui ont prononcé, d'autres personnes vont peut-être dire que Kabila Mutaza derrière, Kabila Mutakanisi Kamere, Félix a derrière. Tout ça c'est bien, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais moi je regarde le fact, je regarde la réalité. Est-ce que Kamere a volé Mbongo? Oui, a Ibaki Mbongo. Est-ce que Kamere a utilisé de son influence? Oui, a utilisé qui influence là. Ils ont détourné, oui, a détourné Kimbongo. De parvenir comme ça, qui ne travaillent même pas, qui ne comprennent même pas comment les choses se passent et qui volent l'argent.